certains personnes. Dis-moi ce qu'ils sont. Et pour mon plan, pour venir me faire un lit, on vient à tous. On va se citer là de dire pas non plus à dispistus. Tout en paix, c'était la citophile de Xana. À tous contents, c'était Rolus. Il pillit des années la guérison. N'allez pas tous, c'était dit, il y en a dit, c'est en fini. Ils sont si nombreux. Oh!
Nous avons dit aux habitants de la cité dans la vallée que nous attaquerions à l'aube. Mais nous avancerons derrière les Karrasch quand la lune sortira. Les prisonniers faits pendant les batailles à l'ouest nous serviront de boucliers. La longue marche dans les montagnes a eu raison de la plupart d'entre eux, mais les survivants protégeront la Horde. La cité scintille est-elle un joyau à portée de main? Nous allons prendre ce qui nous appartient et ramener notre butin chez nous. Ça, c'est vraiment étrange. Il y a des éléments de style Sith, mais ça ressemble à... Non, impossible. De ma vie, je n'ai jamais été aussi terrifié. Ce soir, les armées de la Horde mongole campent aux portes de la vallée, sur le point de frapper le cœur de Kitej. Le feu des alchimistes est prêt à enflammer les envahisseurs. Tous les habitants, hommes et femmes, capables de tenir une arme, se battront. Nous ferons tout notre possible pour aider les Atanatoï. Mais je n'ai jamais assisté à une bataille, les autres non plus. Je n'ai jamais pris une vie. Et maintenant que j'y suis forcé, je ne suis pas sûr d'y arriver. Vous pouvez les arrêter. Tout ce qu'on peut faire, c'est les ralentir un peu. On se retrouve de l'autre côté. La chambre des âmes. La source divine doit être ici. C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité. J'ai échoué. Mes péchés ne seront pas absous. J'ai maculé mes mains de sang en recherchant le prophète. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Alors que l'assaut se muait en siège, le peuple du prophète a commis l'impensable. Ils ont retourné leurs armes contre le glacier et enterré leur propre cité. La glace a enseveli tout le monde, que ce soit les Mongols ou les disciples du prophète. Le Khan et sa horde de guerriers sont morts. Les habitants de Kitej sont brisés et dispersés. Moi seul ai survécu, dans le cœur gelé de la cité, avec pour seule compagnie l'armée d'immortels du prophète, aux yeux brûlants d'une lueur impie. Encore maintenant, ils traquent les survivants dans les ruines.
Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel. Mais Jacob semble si... humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, à ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations. Tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la Trinité s'en mêler.